années 40, tout d'un coup. Je me suis dit, voilà, on est plus en 2011, là, on est aux années 40. C'était catastrophique. Donc voilà, après ça, j'ai pris le soin quand même de poser des questions à tous les gens qui étaient là, à tous les manifestants, ou tous les gens qui étaient autour de Matongué. Bon, ils m'ont dit que le mot d'ordre, la police, c'était tout le monde, c'était tous les Noirs. Tous les Noirs, même les Européens qui soutenaient les Africains ou qui se manifestaient un peu, aussi arrêtés. Donc, ils ne faisaient pas la distinction entre le Congolais, le Rwandais, le Sénégalais ou le Marocain. Si tu passais par là, si tu faisais un peu dans ta gueule, tu t'embarquais, tu tabassais. Donc, c'était assez horrible, quoi. Donc, voilà. C'était pas seulement sur le Noir, mais surtout ceux qui disaient qu'ils voulaient un peu faire sa gueule. On l'arrêtait, quoi. C'était le mot d'ordre. Hales. C'est ça, hein, en anglais. Hales, donc.